What's up guys, c'est Mickman, on se retrouve pour Clash Royale, et oui, un autre épisode. Et avant de commencer, ça va être le dernier épisode de Clash Royale avant mon absence sur YouTube. Il y aura une vidéo d'explication qui s'en vient cette semaine, ou en fin de semaine, ou la semaine prochaine. Par contre, je reviens d'ici après mes travails, donc en juin. Là, ça va être le dernier, comme une pause. Inquiétez-vous pas, ça va revenir, mais c'est le dernier pour ce mois-ci, ok? Donc, prenez pas en panique, j'ai pas trop le choix. Et anyway, parce que sinon, je peux pas tourner pendant le travail, c'est impossible. C'est clairement impossible. Donc, première des choses, on va parler du clan. On peut écrire ça au texte de couleur. Pour ceux qui le savent, vous le savez déjà, du monde qui ont vu des couleurs et tout ça. Bon, comment ça fonctionne? Tout d'abord, c'est des codes ASCII ou un code bien simple. Donc, je vais vous le montrer. Moi, j'ai 1, 2, 3, 4... J'ai 8 couleurs différentes que je peux, mais vous pouvez avoir d'autres couleurs, mais les codes sont un peu plus longs. Donc, c'est facile. Je vais même vous l'écrire qui va apparaître là. Non, je veux pas de bonhomme que je veux. Je veux... Ok, on va mettre en français. Bon. Le code, c'est simple. Vous faites les guillemets plus petits au plus grand. Donc ça, on avait ça des guillemets. Vous faites C pour la couleur. Numéro 2, c'est la couleur rouge, parce que numéro 1, c'est le normal, et vous fermez. Là, après ça, une fois que c'est fait, vous marquez, on marquait rouge, mais c'est votre texte, vous marquez. Une fois que votre texte écrit fini, vous faites encore le guillemet, et vous marquez slash, un slash comme ça ici, de ce côté-là. C, et un autre guillemet, et ça va marquer rouge. Donc, je vais écrire dans la description les couleurs, même qui apparaît là en ce moment, que le 2 c'est le rouge, le 3 c'est le vert, le 4 c'est le bleu, le 5 c'est turquoise, le 6 c'est le rose, le 7 c'est le jaune, et le 9 c'est le rouge, il y a pas ça de dark red. Donc, vous avez d'autres couleurs, mais c'est des chiffres plus longs, mais ça c'est la version plus simple, plus rapide. Vous pouvez changer votre nom aussi en mettant ça, mais si vous faites fourrer, ben pas fourrer, mais foirer plutôt, votre nom, parce que vous êtes droit à un changement d'un nom d'une fois, vous êtes mort. Vous êtes soit vous recommencez un nouveau compte, ou soit tout simplement vous arrêtez de jouer. Donc ça, c'est la première des choses. Regardez la description et tout ça pour les couleurs, c'est aussi simple que ça. Donc... on va ouvrir le coffre que j'ai, les deux petits coffres ici. Donc, on va ouvrir un gold. Donc, on a 204. On a un canon, ça c'est pas beaucoup. 7 lacling, 18 mortiers, 3 roquettes. Donc, c'est pas super. Pour un gem, je m'en fous. 64 gold. On a 7... Non, excusez, j'ai vu un sorcier. On a 8 barbardes. On va partir celle-là. Là, depuis la mise à jour, ça a changé. Il y a quelqu'un qui m'expliquait, oui, on peut gagner des Super Magical Chests. Bon. Dans une vidéo précédente, je vous ai déjà parlé qu'il y avait une liste des coffres qui vous donnent prédéterminés. Il y a encore ce système-là, mais on a 0,1% de chance qu'il nous donne un Super Magical Chest. Il y a du monde qui dit non, c'est impossible. Ben, c'est possible, mais moi, je n'ai pas eu. Par contre, récemment, j'ai eu un Magical Chest normal et un coffre géant. D'autres choses aussi, il me reste les deux légendaires à trouver. Donc, j'ai tout unlocké, les cartes communes, rares et épiques. Il me reste les deux légendaires. Je sais que dans le clan, il y a du monde qui ont un des légendaires à ce moment. Et la meilleure façon d'avoir un coffre super légendaire, c'est toujours avoir une place de libre, parce que le système a un peu changé. D'habitude, ça va rester sur le rendement du coffre quand vous gagnez une partie, mais si vous n'avez pas de place, ça se peut vous skipper le coffre que supposément gagner. Il y a du monde qui me dit oui, il y a du monde qui dit non, c'est pas ça. J'ai pas été voir les forums, les explications. Il y a du monde qui ont fait des tests et
ça prend absolument une place de libre pour vos coffres pour avoir une chance d'avoir ce coffre-là. Là, on va faire des combats pour le fun avec du monde. Fait que. Je vais marquer duel. Bon, c'est un crâne espagnol, là. C'est très mauvais. Français. Je garde ça, les langues, ça, sont aucun rapport, là. Toutes les langues ici, c'est pour, à cause de Jurassic World, avec le fameux glitch à voir les paquets. Les cadeaux qu'ils nous donnent par email. Mais de toute façon, ça va être supposément être corrigé que j'ai su. Donc, qui est mon adversaire que je vais avoir? Ah, ben, Smooth Alpha. Donc, Smooth, comme j'y parle un peu sur Skype et tout ça avec lui. C'est un abonné qui me suit depuis Ranablock. Donc, Ranablock, c'est pour Minecraft. Et il a commencé à sortir une vidéo de Clash, de présentant sa chaîne et du jeu. Donc, il est tout nouveau. Il est bien fait. Donc, c'est dur de débuter sur YouTube aussi, quand tout le monde veut faire ça. Donc, comment qu'il joue? Fait que moi, j'ai mis mon chevalier en bas. C'est Mignon qui me tape ses nerfs. Une boule de feu dessus. Boom! J'ai tout tué, c'est bug. Moi, j'ai hâte d'avoir mon golem niveau 4 à peu près pour enlever le bombe squelette. Parce que le bombe squelette, lui, il va focusser sur les ennemis. C'est pas trop nécessairement bon, mais sa bombe explose, ça fait des dégâts. Mais quand il est proche d'une tour, ça fait quand même des dégâts. Il m'a envoyé une wave d'ennemis. Ok, le mini P.K. on va se calmer avec ça. Là, pour le clan, c'est du monde veut rejoindre. Malheureusement, j'accepte plus personne. Je suis en train de faire un ménage. Parce qu'il y a du monde qui joue et du monde qui ne joue plus. Ils sont là dans le clan, mais ils font rien. Ils sont là depuis 2 semaines avec le même niveau de trophée puis ils bougent pas. Enfin, je vais virer du monde. Je suis posé faire ça cet après-midi ou peut-être demain si les personnes m'ont pas répondu. Je vois du monde que je vais virer. J'accepte au-dessus de 2000 trophées et plus. Je peux aller à 1500 plus bas. Je veux pas non plus quelqu'un qui vienne jouer puis il ne joue plus dans le clan. Ça va absolument à rien avoir dans le clan. On veut quand même avoir du monde dans l'équipe pour l'équilibrage. Pour le futur tournoi qu'il va avoir. Que peut-être Supercell va ajouter. Il laissera pas ça comme un jeu comme ça, il va y avoir des nouvelles mises à jour, c'est clair qu'il va y avoir de quoi avec des combats de... Là, je suis en train de me faire péter la gueule, parce que je suis en train de parler. Des futurs combats en clan. Je suis garanti qu'il va y avoir ça, sinon... Je me tire dans le pied ici. C'est pas ça, pas tout. On va jouer très défense. Non, faut pas faire ça. En plus, ma tour en bas elle va être en train de crever solide à part de ça. L'évêque des minions. Je trouve que c'est très fort les minions, mais moi où que je joue à mon niveau, il n'y a plus personne qui joue à ça. Bon.
Cochon gelé, c'est très fort comme attaque. Ben, je lui a bien joué, surtout quand je parle puis je joue en même temps. Je regarde pas qu'est-ce que je fais. Ça, c'est un gros défaut. Mais tu sais, tout le monde dit, oh, t'es capable de faire deux choses en même temps, mais c'est très dur. Donc, GG. Donc, un prochain combat. Prochain. Next person. C'est NRV ou Thomas qui est revenu dans le clan. Donc, t'es à 2004 de trophée, ça c'est bien. Je vais dire bonne chance, puis un petit bonhomme. Petit bonhomme! Ok. Pourquoi tout le monde est des hordes de minions? Tellement fort pour rien. Là, il va m'avoir pas en tout là, fait que je vais être un peu concentré, je regarde là parce que mon jeu il est là. Fait que j'ai remarqué que ma caméra cache, pas vrai, mon micro me cache la face avec les vieux de la caméra. M'en sortir parce que là ça va très mal. J'ai détruit sa tour. On va être correct. J'ai pas parlé. C'était silencieux, mon enfant. Je suis concentré. Continue de mettre toute une armée. Parce que tout le monde met un peu n'importe quoi. Faire une partie serrée. Lâchez-moi avec vos vagues de minions. C'est à chier. Je déteste. Le gros défaut avec le bomb squelette, c'est que tu mets un ennemi, fait qu'il va aller vers le plus proche pour ceux qui sont de terre. Il a mal joué! Parce qu'il a mal joué, il garde bien. Ah, attends. Il y a un petit. Je trouve qu'il y a, il y a même une latence.
Parce qu'il a mis toute son armée, je veux dire, hey, je vais envoyer un cochon gelé, puis ça va faire suffire, mais j'ai quand même eu une latence, fait que mon freeze, il est mal fait, fait que rematch. Fait que rematch, moi j'aime pas les défaites, je vais essayer avec un autre deck que j'ai ici, voici ça. Donc un petit rematch. Non, t'es à combien de minutes? Oh, l'épisode va quand même assez long, donc... pour combler la fin de la mi-saison avec je retourne va devenir normal en juin pour les vidéos. Je vais attendre ok, je vais attendre qu'est-ce qu'il faisait. Ce deck-là, c'est un prototype, parce que techniquement, le sorcier de feu n'est pas là. C'est supposé avoir le sorcier de glace, mais comme je l'ai pas, mais c'est juste je l'ai remplacé pour ça, place. Hein, flèche. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais attendre 8 secondes, 7, 6. Bang, il est tristé. J'ai réussi à en avoir un, mais je vais quand même le détruire. Je vais attendre un petit peu. Et voilà, et pété. Donc je l'ai eu, parce que les minions je peux absolument rien faire, le mage je peux absolument rien faire avec l'autre deck, fait que des fléchettes et presque opposé de son deck un peu, ça peut être... Et le zap, GG. Non, c'est mon autre deck. Tu regarderas la vidéo. Ouais, dis ça demain. Voyons, c'est bon, je peux-tu écrire comme du monde? Il y a des gros doigts, tu peux pas écrire avec ça. Bon. Donc, ça, c'est le deck que j'utilise. Ça, c'est, ça prend le Frost et pareil. C'est presque semblable, mais j'ai pas l'archer, j'ai juste le zap et. Mais ça pour le monde dessus, niveau 8, ça change quoi? Plus 14 de dégâts, plus... bof, non. De toute façon, j'ai besoin pour les archers, anyway. Bon, un autre combat, qui veut faire un autre combat? Ça va être le dernier combat. Je vais pas durer le vidéo une demi-heure, mais au moins jusqu'à 25. Moi j'ai très hâte d'avoir les nouvelles mises à jour, je cherche de quoi dire.
La nouvelle mise à jour, j'ai très hâte. Pour des nouveaux légendaires, parce que ça va pas finir comme ça avec les personnages qu'on a. Bon, encore lui. Non, il va gagner parce que j'ai pas. Et il est fâché parce qu'il veut se revenger. De la même façon, si vous avez pas de fléchette, c'est de geler. Mettre un archer à côté, c'est le seul truc que je peux voir comment je peux me défendre contre ces maudits hordes de minions. Par contre, ça te prive de ton freeze. Bon, autre chose, je vais regarder comment je pourrais gagner avec le deck sans le zap, sans l'archer, sans les fléchettes. C'est quand même assez dur. J'attaquerai pas de suite sa tour, je vais garder comme pour la fin. Non, tu de la même façon, c'est de péter sa tour et après ça, qu'est-ce qui arrive au moment du countdown, mais une boule de feu puis boum, tu viens de finir l'overtime. Et voilà, j'ai réussi avec mon deck numéro 1 que j'ai. Bon, c'est très bien ça. Je parlais pas beaucoup, mais comme je dis tantôt, GG. Et voilà. Oups, c'est pas ce que je voulais faire ça. Ben, je sais pas s'il y a trop avec la boule de feu, j'ai aucune idée. On va aller voir un dernier coffre, donc 70, bon. J'ai 3 places de livre, je vais attendre plus vers dans 11h pour le coffre des couronnes. D'habitude, quand il y a le coffre des couronnes apparaît, je vais aller faire les combats. Je vais pas monter inutilement dans les trophées, parce que ça arrive souvent, je redescends les trophées. Je suis comme à 2282 de trophées. C'est quand même bien. Maintenant ici le plus haut il est à 2648, fait qu'il est bientôt dans les 3000. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, une suggestion et de vous abonner, c'est gratuit. Pour mois d'avril, fin de mars, fait qu'avril-mai il n'y aura pas de clash comme je vous ai dit au début de la vidéo.
Par contre, il y aura un nouveau Let's Play de nouveau jeu pour combler. C'est déjà tout enregistré d'avance, donc c'est juste pour pas que ma chaîne soit morte tout d'un coup. Donc voilà. Fait qu'on se revoit au mois de juin pour Clash Royale avec sûrement des nouvelles updates et des tournois entre clans que je vais avec mon clan que je vais faire aussi. Pour ceux qui sont dans le clan qui me regardent des vidéos, je vais faire un tournoi. Ça va être parfait. Donc je vous dis salut tout le monde.